Le gars, c'est pas la deux. Oh, non, reste à son pas. Tout à l'heure, place, m'en place. Michel. Après, bon, c'est lui. Place, moi. Hazard. Comment on a fait ma bagage? Bonsoir. Revenez de mission à l'étranger principalement. On va commencer par la première étape de Rotterdam en Hollande, que vous avez pris part à la conférence du Centre mondial sur l'adaptation. La grande résolution de leaders mondiaux par rapport à la COP26, c'est justement de pouvoir dire l'urgence, de pouvoir mettre un accent sur l'adaptation. Quelle était la position principale de la RDC? Oui, merci. La position principale de la RDC au niveau de Rotterdam, d'abord, était d'aller à la concrétisation et à penser aux compensations équitables, n'est-ce pas? Et comme toujours, la RDC se présente désormais comme un pays solution à tout ce qu'il y a comme enjeu du climat. Vu nos potentiels que nous avons, les potentiels forestiers, les ressources hydrauliques, les minéraux stratégiques et tout le reste, si nous devons les conserver pour les besoins de nous-mêmes et besoins de l'humanité, ces sacrifices méritent une compensation, laquelle compensation doit quitter l'étape des projets de l'aide au développement, mais plutôt des investissements, et que, parce que ce n'est pas un don, c'est un droit, et parce qu'on ne développe pas un pays avec l'aide humanitaire ou tout ça, mais on développe un pays avec des investissements solides. Et nous, notre objectif est de transformer le potentiel naturel de la RDC en richesse qui permette d'amener les pays au développement, parce que nous sommes tous dans l'agenda mondial, embarqués dans cet agenda d'ici 2030 pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et en même temps, nous avons des engagements au niveau de l'Afrique d'ici 2063. Donc, le centre d'ailleurs a été inauguré. Et le chair de ce centre, c'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Et puis le CEO, c'est un Hollandais, professeur Patrick, qui est là. Et la RDC est membre, naturellement, vit son importance tout aussi dans les cadres du bassin du Congo. Parce que la RDC, partout où nous allons, nous parlons, c'est vrai, de la République démocratique du Congo, mais nous parlons aussi du bassin du Congo parce que ça fait un tout. Voilà. En termes de fonds, on parle de 125 millions d'euros. C'est quand même une part importante. Tout à fait. C'est beaucoup. C'est pourquoi, dans le cadre de nos CEDEN, la contribution déterminée au niveau de notre pays, nous avons essayé de donner une planification des besoins d'orientation. Comme j'insiste sur l'investissement au lieu de l'aide au développement, nous avons mis l'énergie, par exemple, au premier plan. Parce que nous estimons que la meilleure stratégie, en tout cas la voie la plus excellente de protéger les forêts, c'est d'accéder à l'énergie. Donc les 14% des Congolais qui ont accès aujourd'hui à l'énergie, ça doit être hydroélectrique ou d'autres énergies alternatives. Si nous pouvons aller jusqu'à 70% des Congolais qui accèdent à l'énergie, et l'électricité, je voudrais dire,
et les autres pays d'Afrique, grâce à notre barrage d'Inga, si le barrage arrivait à être financé dans ces quatre turbines pour fonctionner à plein régime, vraiment, nous allons arrêter la pression sur la forêt. Et ça, c'est vraiment la meilleure des voies. Et avec ça, d'autres investissements vont aller vers les réseaux routiers, n'est-ce pas? Et après, nous allons d'autres infrastructures sociales telles que la santé, l'éducation. Et du coup, c'est l'emploi qui va en bénéficier. Et aussi, nous avons beaucoup insisté sur la transformation locale de nos ressources naturelles. Parce que là, ça va nous donner encore une autre possibilité d'augmenter, de lutter contre le chômage, l'autonomisation et de créer une classe moyenne et de donner les moyens nécessaires à notre pays. Et ça, j'avais apprécié que le ministre actuel de la coopération économique en Allemagne, il est promis au niveau des Nations Unies, à l'ONUDI, donc l'Organisation des Nations Unies sur le développement industriel. Et nous avons pris langue avec lui et nous lui avons présenté d'ailleurs le plan directeur d'industrialisation de notre pays qu'avait présenté le ministre de l'Industrie. Et j'ai eu ces devoirs-là, étant donné que le ministère de l'Industrie se trouve aussi être au sein du gouvernement, que nous devons absolument défendre ces projets. Merci. Merci.